Nous sommes heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre pour échanger avec vous encore un sujet d'actualité, bien entendu. Mais avant d'un sujet que nous vous proposons ce jour, permettez-nous de vous rappeler, comme on a pris l'habitude de le faire, participer à la sensibilisation contre cette pandémie à COVID-19, que le respect des mesures barrières est indispensable si nous voulons vaincre cette pandémie en diminuant, en tout cas en brisant la chaîne de contamination de cette maladie. Car le coronavirus est bien entendu réel et la prévention reste le seul traitement efficace contre cette maladie. L'actualité, c'est aussi ce qu'on a appris au travers d'une correspondance que le Premier ministre a adressée au VPM, au vice-premier ministre et ministre du budget, Baudouin Maillot, en rapport avec une requête de l'Assemblée nationale par sa présidente, l'honorable Jeanine Mabunda, qui sollicite au gouvernement une révision des salaires des honorables députés, mais également du personnel administratif. Et cette révision du salaire, c'est pour faire face à un problème de conjoncture actuelle au niveau du pays. Et donc, l'honorable député Jeanine Mabunda sollicite un complément de 2 000 $ par mois pour chaque député national. Avant de poursuivre, permettez-moi de vous lire cette correspondance du Premier ministre Ilunga Ilunkamba à son vice-premier ministre et ministre du budget en rapport avec cette situation. Alors, la lettre dans laquelle on a mis en copie son Excellence, le chef de l'État Félix Tshisekedi, mais également l'honorable président de l'Assemblée nationale Jeanine Mabunda, mais aussi le vice-premier ministre et ministre, le ministre des Finances, bien entendu. Alors, l'objet de cette lettre, c'est donc suite à donner révision de rémunération honorable députés nationaux et administration de l'Assemblée nationale. Monsieur le vice-premier ministre, je porte à votre connaissance que j'ai été saisi par l'honorable présidente de l'Assemblée nationale par lettre numéro RDC-AN-P-JML-BIP-05-370-2020 du 21 mai 2020, dont copie vous a été réservée, sollicitant du gouvernement ce qui suit au regard de la conjoncture actuelle. Un complément de rémunération de CDF 1 900 000 francs congolais, c'est 1 milliard, hein, 900 millions de francs congolais, soit un équivalent en francs congolais de 2 000 $ par député national par mois. 2. Une révision à la hausse de 50% de l'enveloppe allouée au fonctionnement de l'administration de l'Assemblée nationale en vue de permettre au gouvernement de réserver une suite appropriée à cette demande. Je vous charge d'examiner cette question en commission avec le ministre des Finances qui me lit en copie et me fait rapport dans les meilleurs délais. Agréé, monsieur le vice-premier ministre, le vice-premier ministre, l'expression de ma considération distinguée, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, premier ministre. Donc voilà la lettre que le premier ministre a adressée à son vice-premier ministre et ministre du budget. Je trouve cette démarche
scandaleuse et donc je crois que tous les Congolais, en tout cas, devraient réagir par rapport à cette demande de l'honorable député Jeanine Mabunda. Et pour les députés, leur salaire étant déjà exorbitant par rapport à notre pays, un pays avec un budget de 5 milliards de dollars, il est clair que la République démocratique du Congo est un pays pauvre, qui ne peut donc pas se permettre de rémunérer ses députés comme ces derniers sont dans d'autres pays. Parce qu'ici, le budget est tellement insignifiant que finalement, plus de 50% de ce budget finalement va seulement... peut-être pour le train de vie des institutions. Alors même que nous avons vu dernièrement l'honorable député Délice Essanga faire une proposition de loi organique pour la dissolution du CNSA, justement pour permettre à l'État de pouvoir économiser un peu de fonds, ainsi les affecter dans des secteurs prioritaires de la République démocratique du Congo. Voilà que les mêmes députés veulent encore... une augmentation de salaire, mais également une révision à la hausse de 50% de l'enveloppe allouée au fonctionnement de l'administration de l'Assemblée nationale. La conjoncture actuelle est une conjoncture qui, en fait, frappe tout le monde, frappe tous les services de l'État. Est-ce que vous trouvez normal que des fonctionnaires, des enseignants, des militaires soient à payer des salaires modiques sans tenir compte de la conjoncture actuelle? Il n'y a pas d'augmentation et les députés qui sont là pour légiférer, justement pour mettre à la disposition du pays des lois permettant en tout cas au pays de bien fonctionner, et ces députés ne sont finalement là que pour leur propre train de vie. Ils se plaignent de la conjoncture alors qu'ils ont déjà suffisamment d'argent et réclament un complément de 2 000 $ par député. Vous vous rendez compte, si nous faisons un calcul simple, parce que nous avons 500 députés nationaux, nous faisons 500 multiplié par 2 000 $. Nous avons donc une enveloppe de 1 million de francs congolais additionnels par mois, ce que réclame Jeanine Mabunda. La conjoncture frappe tout le monde. Si on augmente les salaires des députés, il faut augmenter également le salaire de tous les agents de l'État, parce que les députés ne peuvent pas être privilégiés lorsqu'il y a conjoncture. D'autres couches de la population, d'autres agents de l'État qui ont des salaires beaucoup plus modiques que le salaire des députés continuent à subir cette conjoncture, due d'ailleurs à une certaine mauvaise gestion, à une mauvaise gouvernance où l'argent de l'État est dilapidé. Vous voyez au travers le procès de 100 jours les différentes sommes d'argent qui sont citées au cours de ce procès. Donc vous avez comme ça des agents de l'État qui détournent de l'argent de l'État qui aurait pu être affecté dans des secteurs prioritaires comme le secteur de la santé, de l'éducation. Mais vous avez ces députés qui réclament augmentation de salaire. Et le plus triste dans tout ça, c'est que ça concerne tous les députés, toutes tendances confondues. Et bien évidemment, là, il y a le silence. Lorsque Jeanine Mabunda a écrit au Premier ministre pour solliciter une augmentation, un complément de salaire de 2 000 $ pour faire face, soi-disant, à la conjoncture actuelle. Là, il n'y a pas la Mouka, là, il n'y a pas FCC, là, il n'y a pas Cash. Ils sont tous d'accord. On n'a pas vu un seul député se lever contre cette demande indigne, une demande honteuse de la part des députés dans un pays où le budget qu'aurait souhaité le chef de l'État de 11 milliards est impossible à mettre en place. On sera probablement autour de 5, peut-être 6 milliards, ce qui représente rien du tout, un budget de pauvres, mais vous avez des députés qui sont rémunérés et qui coûte trop à la République, et c'est une honte. Je trouve que c'est scandaleux, c'est un scandale que de voir la présidente de l'Assemblée nationale faire une telle demande. Déjà, prendre une telle initiative de faire une telle demande, c'est vraiment scandaleux. Et c'est dire que nos autorités, c'est à se demander si ces derniers finalement font du bien-être des Congolais leur priorité. Visiblement, c'est le bien-être
personnelle, individuelle, d'un groupe d'individus qui veulent en fait améliorer leurs conditions de vie au détriment de tout un peuple. Et c'est honteux à eux que nous puissions assister à des telles demandes. Et j'ose croire que le Premier ministre, qui finalement demande au ministre du Budget de se concerter avec son homologue des Finances, j'ose croire que ces derniers ne donneront pas une suite favorable à cette demande, car avec la crise actuelle, nous sommes pratiquement en récession. Il n'est pas possible pour le pays de supporter des charges supplémentaires que demande l'Assemblée nationale. C'est une honte. Et si l'Assemblée nationale fait une telle demande, le Sénat certainement suivra aussi. Et c'est vraiment scandaleux. Vous imaginez qu'à la primature, le gouvernement qui donne suite favorable à cette demande-là, et ce gouvernement même qui pourrait également dire subir le contre-coup de la conjoncture actuelle, voudrait également augmenter le salaire de cette équipe gouvernementale qui est aussi une équipe vraiment pléthorique. Non, c'est honteux. Madame Jeanine Mabunda, honte à vous. C'est scandaleux. 2 000 $ supplémentaires par député, c'est honteux. Le pays n'a pas les moyens pour sortir de l'argent supplémentaire. Là où nous souhaitons en fait qu'il y ait une diminution des trains de vie des institutions, vous voulez en fait qu'on augmente. Et c'est honteux, Madame Jeanine Mabunda, et nous ne partageons pas cela. Et malheureusement, nous sommes dans un pays où nous ignorons vraiment nos droits, où la population ne réagit pas, une population qui ne fait que subir. Et donc c'est vraiment triste, mais c'est scandaleux que de voir des autorités qui sont censées apporter des solutions à cette population meurtrie, à cette population qui souffre, à cette population qui voit tous les jours son pouvoir d'achat diminuer, amenuisant, et voir ces autorités qui sont en fait là pour apporter des solutions justement pour donner espoir à cette population, et ces autorités qui cherchent leur propre bien-être au détriment de toute une nation. Un militaire qui va combattre au front, un policier qui doit assurer l'ordre public, protéger les citoyens et leurs biens, n'est pas moindre pour que ce dernier ait un salaire en francs congolais qui est dévalué, et ensemble avec le franc congolais qui perd de la valeur devant le dollar, lui ne subit pas le contre-coup de la conjoncture actuelle, et seulement vous qui avez déjà un salaire énorme et exorbitant, c'est honteux. Voilà ce coup de gueule que nous avions voulu avoir, nous avons voulu discuter un peu avec vous. Nous imaginons que vous êtes certainement nombreux à penser comme nous que c'est scandaleux. Et pour faire une pétition contre Jean-Marc Kabound et l'évincer de son poste de premier vice-président, là ça va vite. Là, on peut voir un député de l'opposition faire une pétition, mais pour une telle situation, silence radio, tous sont unanimes parce que c'est à leur avantage, c'est honteux. Le peuple congolais ne mérite pas de tels élus. Je suis désolé de le dire, mais c'est un coup de gueule. Je suis désolé, mais c'est quand même scandaleux. C'est 2 000 $ par député supplémentaire. C'est énorme pour un pays de 5 milliards de dollars de budget. Un pays où l'hôpital général, l'hôpital de référence Mama Yemo, peut perdre plusieurs nouveau-nés parce que le courant électrique est passé. Vous avez une particulière qui va offrir un don de groupe électrogène. Ah non, c'est pas possible. On ne peut pas accepter de telles situations. C'est honteux. Voilà, nous arrivons pratiquement à la fin de notre petite réflexion, notre coup de gueule en rapport avec cette demande indécente d'augmentation de salaire des députés, un complément de 2 000 $ sollicité. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, un commentaire aussi. N'oubliez pas de vous abonner, cliquez également sur la cloche à côté pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Protégeons-nous car le coronavirus est réel. Merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir prêté votre temps. DMTV vous dit au revoir.